Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du routier. Donc là, on est à Kassel avec un véhicule un petit peu particulier. En gros, on n'a pas un camion cette fois, on a une camionnette, on va dire. C'est vraiment tout simple, tout basique. Et je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce véhicule. Donc nous avons un Mercedes Sprinter, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Merde, je vais en mettre un petit coup. Voilà. Donc nous avons un Mercedes Sprinter, donc qui est un véhicule utilitaire, l'équivalent d'un berlingot, non pas un berlingot, un trafic plutôt, parce qu'un berlingot, voilà, et puis là on va pouvoir y aller. Merde, faut pas que... Donc cette fois-ci on a voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. On a vraiment une camionnette avec une remorque qui va dessus, qui était dans le pack, on va dire. Donc voilà. Et vraiment, il est plus ou moins bien fait. Non, ça ne vaut pas. Bon. Parce que, par contre, le seul défaut de ce mode, c'est qu'il est ultra peu personnalisable. Ça, c'est un petit défaut. Mais c'est un petit défaut, on va dire, qui passe très vite. Et on s'en fout, en fait. Mais bon, après on va dire que ça ne fait pas grand chose, ça change pas grand chose. Oula, j'ai failli me le prendre. Et je tenais aussi à remercier la personne qui m'a envoyé, qui m'a mis un commentaire disant de baisser un peu les graphismes pour que le jeu soit un peu plus fluide. Et donc c'est la team Simulator, voilà, c'est ça. Donc je te remercie de m'avoir laissé quelques commentaires pour ne plus parler un petit peu comme ça entre nous pour que tu m'aides un peu à mettre ça à flot. C'est vrai qu'il est un peu plus fluide maintenant, je n'y avais pas joué depuis. J'avais mis les configurations et tout et puis c'était bien passé. Très bon. C'est pas du café cette fois, c'est un Oreo. Bien. C'est un Oreo, façon de parler. Bien, ce que je veux dire en fait, c'est un Oreo fait par une Tassimo. C'est très très bon. Ah bon. Donc on va pouvoir y aller. Hop, le feu est vert. Donc on va sortir de Kassel et on va aller jusqu'à Dortmouth, je crois. Si je ne me trompe pas. Donc ce Mercedes Sprinter est très joli, franchement, bien plus maniable que. Ceux que j'ai pu vous présenter avant, de véhicules légers, on va dire, vachement plus maniables. Ben, je vous en ai présenté qu'un seul, mais en gros, que celui que je vous avais présenté, par exemple, comme le Grand Cherokee, doit être peut-être plus maniable en fait quand il a une remorque à l'arrière, mais sinon, celui-là est vraiment très, très, très maniable. Très maniable. Ah oui, en fait j'avais plein pas. Il est vraiment très maniable, l'intérieur est plutôt joli. Donc voilà, on regarde, c'est très très bien fait, franchement. Bon, après il y a l'effet de, parce que j'ai, oula, j'ai un peu baissé l'aspect d'ombre, parce que c'est vrai que ça prend un peu, en gros ça fait tourner mon ordinateur à fond, même s'il y a encore quelques lags comme vous pouvez le voir, mais quand moi je roule ça lag pas trop, on va dire. En gros, c'est surtout les IA qui bug, en fait, l'ordinateur. Ma conduite, en gros, on va dire qu'elle bug pas trop. Et là, pour l'instant, ça a l'air de me plaire. J'ai l'air d'avoir un truc qui marche plutôt bien. Donc voilà. Après, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, par exemple, s'il y a un truc que je pourrais encore faire pour que ce soit mieux et tout. Malgré que là je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, ça bug encore un peu. Je sais que mon ordinateur est pas non plus fait pour, parce que franchement c'est moche. Parce que mon ordinateur, voilà, c'est pas un ordinateur fait pour, comme je le dis. C'est vraiment un ordinateur plutôt du style bureautique, on va dire. Mais bon,
il a le potentiel pour faire ce qu'il fait, même si bon, voilà, en gros, je peux vous dire franchement, il peut faire ce qu'il fait, mais bon, il va le faire moins rapidement que le reste. Bon, non, faudrait peut-être un peu avancer. Donc voilà, je bois un peu de. Franchement, si vous avez une Tassimo et que vous aimez un peu le chocolat au lait, je vous conseille, ben le cacao, quoi, on va dire, je vous conseille de prendre l'Oreo. C'est vraiment un truc, mais succulent. Je vous dis, j'ai pas de contrat avec eux, mais c'est vrai que la plupart des chocolats chauds qui font avec les Tassimo sont très bons. Mais la plupart, pour qu'ils soient pas trop amers, on va dire, il faut rajouter une petite goutte de lait. Moi, je les préfère la plupart du temps avec une goutte de lait plutôt que comme ils sont de base, on va dire. Même si souvent il y a du lait avec, je préfère les prendre quand même avec je les préfère quand même avec une goutte de lait. Peut-être pas une goutte de lait, un petit peu. Putain, ça lag quand même. Ouais, là, ça lag franchement grave. Je sais pas pourquoi, alors que j'ai franchement enlevé tout ce qui pouvait me faire bugger. J'ai coupé Google Chrome dans son intégralité et tout. Franchement, je vous dis clairement, là c'est vrai que je vois pas pourquoi il lag ce con. Par contre, le seul truc qui m'énerve, c'est que je vois pas en fait le compteur des kilomètres, le compteur kilométrique. Je vois pas la vitesse à laquelle je roule, mais bon. Donc c'est vrai que ce camion est pourquoi je dis ce camion, cette utilitaire est très peu personnalisable, c'est un de ses désavantages, mais il est quand même très maniable et avec le peu de puissance qu'il a, il roule plus vite que l'un des camions, que n'importe quel camion, peut-être un petit peu moins vite que le Grand Cherokee. Peut-être que je le réessayerai justement, le Grand Cherokee, mais avec une remorque à l'arrière, pour voir ce que ça donne. Parce que si elle se peut avec une remorque à l'arrière, il serait peut-être beaucoup plus stable. Et c'est peut-être pour ça que dans tous les sens. Donc on verra bien. Peut-être que je le referai, on verra. On verra. Je vous dis pas que je le referai. Je le referai peut-être plus tard. On verra. Franchement, je vous dis pas que je le ferai. Mais peut-être que je le referai pour le tester plus à. Pour faire un test un peu plus approfondi. Parce que c'est vrai que j'avais juste essayé de conduire comme ça, parce que j'avais envie d'aller faire de Paris à Dijon ou Lyon, et puis j'y étais pas arrivé parce que justement la voiture elle s'envolait dans tous les sens, et c'est ce que je me doutais un peu. En fait, c'est une voiture qui est vraiment pas stable du tout en elle-même. Après, peut-être que ça a été corrigé avec les mises à jour et tout. Mais bon, on verra bien ça si je le reteste ou pas. Après, franchement, moi de toute façon, je sais pas comment dire. Les modes que j'ai testés, les trois quarts des modes que j'ai testés, je les ai tous adorés. Oh, on a que 5 vitesses là-dessus. Donc voilà, pour parler un peu plus de ce mode, donc c'est toujours le Mercedes Sprinter, hein, comme depuis le début. Et par contre, donc il a 160 chevaux si je me trompe pas. Donc on roule à 111. Bon, ça fait pas tant que ça, hein. Ça fait pas beaucoup. Mais bon, c'est déjà pas mal. 111, ça fait déjà quand même 111. Hein. C'est pas. Bon, c'est vrai que je suis allé bien plus vite avec certains modes dans ce jeu. Attends, voilà. Je suis allé bien plus vite que ça. Dans ce jeu avec certains modes, j'ai réussi à aller jusqu'à 150. On va dire que ça reste raisonnable. Je pense qu'il n'est pas allé à fond encore. 150, ça doit être faisable. Après, faut vraiment le pousser. Vraiment, je roule comme un teubé. Mais bon, on va dire que si je roule pas comme un teubé, c'est vrai que déjà avec un volant comme celui que j'ai, c'est un peu dur de pas rouler comme un teubé. Ça arrive que je roule pas comme un teubé, mais bon, là comme là ce virage je l'ai bien géré, mais bon, voilà, en gros je vous dis c'est bon, mais à la fin, en gros, c'est vrai que des fois je roule plus ou moins bien,
Mais je prends plutôt des trajectoires du style rallye en gros pour tourner le moins possible et pour faire une vitesse pour moins perdre de vitesse possible et puis pour prendre un virage optimal pour avoir un maximum de vitesse et pouvoir doubler tout le monde tranquille. Mais voilà, on va dire que je roule quand même comme un teubé à chaque fois. Mais aussi c'est vrai que j'ai pas un volant optimal pour rouler comme normalement. Bon là vous allez vous dire tu freines comme un malade sur l'autoroute, bah oui parce qu'il y a un radar juste devant et j'ai pas vraiment envie de me faire plager. Même si bon j'ai vraiment freiné comme un teubé encore hein. Donc ça vous prouve à quel point je roule comme un teubé. Mais avec les 160 chevaux qui là quand même il va vachement plus vite que un camion tranquille avec 500 chevaux, il va beaucoup moins vite que ça, même si derrière il a une remorque qui est peut-être deux fois plus lourde que la mienne, ça change pas le fait que ma camionnette elle va trois fois plus vite. Ben, je sais pas comment dire. Par rapport à un camion, je sais plus quel hier, je crois. La semaine dernière. Oui, le Ural qui ramait comme pas possible, qui arrivait pas à dépasser les 90 km/h. Là, avec celui-là, les 90, on les dépasse easy. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, easy signifie facile. Je vous le dis, quoi, de vous à moi, sans être méchant, hein, parce que on n'est pas tous obligés de connaître l'anglais. Je le dis, hein, c'est pas du tout pour être méchant. Mais c'est vrai que si vous connaissez pas l'anglais, autant que je vous le dise, parce que si après vous savez pas ce que ça veut dire, donc je vous le dis, voilà. Mais ne le prenez pas mal. Donc voilà, après on a déjà fait quand même, je crois, 70 km, non? Non? 100 km. Parce qu'il me semble qu'il y avait 180 km entre Kassel et Dartmouth, ou je sais plus où c'est que je devais aller. On verra le temps qu'on mettra pour aller là où on doit aller. Mais il me semble qu'on va aller très vite. Bon, je conduis un peu vraiment comme un teubé. Mais bon, j'ai pas envie. J'ai envie d'éviter les accidents et d'éviter beaucoup de choses. Mais bon, ça va pas forcément être une bonne chose. Donc, on va pas aller dans la ville où on doit aller. Hangover. Hangover. Ouais, c'est ça. Donc, on doit aller, je crois. Non, pas Hangover. Peut-être, mais en fait on doit pas aller dans la ville même, on doit aller dans une entreprise qui est en dehors de la ville en fait. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, quoi, il y a 2-3 entreprises dans chaque ville qui ne sont pas dans la ville justement, et donc c'est pour ça que je fais ça. Mais je crois qu'on va à Hangover, il me semble. Hein. J'ai dit Dartmouth. Dartmouth en plus c'est en Angleterre. Voilà, on te bé quand tu m'y mets. Mais voilà, on va dire que c'est vraiment pour moi un honneur de faire ces vidéos. Et en même temps, c'est vrai que bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Et c'est pour ça que je me rends compte que c'est vrai que c'est toujours bien. Ça reste. Ben, en fait. Quand on fait des. Quand on les regarde, on se dit toujours il n'y a rien d'exceptionnel et tout. Mais à faire, on voit qu'il y a un peu plus d'exceptionnel. C'est ça le truc. Donc moi franchement je vous dis, ce camion, c'est un bijou. Si vous voulez un camion qui va plutôt vite, ce Mercedes Sprinter est plutôt bien. Je reprendrai aussi peut-être le Mercedes Actros MP4. Dans l'hebdo, je suis en train vraiment de partir en couille là, pour comment vous dire, pour pouvoir, parce qu'en fait quand je l'ai testé il y avait un bug et je crois que le bug a dû être corrigé ou je sais pas trop quoi, et j'essayerai de reprendre le camion et de faire un tour avec une remorque, parce que c'est vrai que je l'avais pas fait à l'époque, et donc voilà. Et c'est pour ça
que comment dire que j'avais pas j'avais juste fait un trajet avec la remorque et pas là sans remorque et pas avec une remorque parce que en gros il y avait un bug, j'avais plus du tout de remorque en gros, je sais pas comment dire, on n'avait plus du tout de repères, on n'avait plus rien du tout. Après je sais pas, on va peut-être faire un deuxième mais ça va être un peu chaud. Je sais pas, on verra. Parce que c'est vrai que là j'ai bientôt fini, il nous reste plus que 25 km. Après faut vraiment faire un peu attention au temps et tout. Après on va peut-être juste aller à la ville en fait, à Ingover en ville. Pardon. Parce que c'est vrai que on est déjà à 20 minutes. Pardon. Et en fait, je sais pas, chaque fois que je bois quelque chose ou quoi que ce soit comme ça, j'ai l'impression que ça remonte. Il n'y avait pas de gaz, mais ça remonte et tout. Mais bon, là, c'est pas le but. Voilà, après, c'est vrai que moi j'adore faire Ostercraft. Je sais pas quoi ce que ça veut dire. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos, s'il faut vraiment ajouter un petit truc ou pas. Je pense qu'en termes de facecam, en gros c'est vrai que je me rends compte que la facecam, ça fait pas longtemps que je m'y suis mis, mais je pense que là il n'y a plus rien du tout à ajouter à la facecam. En gros il y a une qualité maximale sur les vidéos et tout, sur mes vidéos en facecam. Bon, je conduis comme un dingue, ça c'est une chose qui est sûre, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, comment dire, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément grand chose de très difficile là-dedans. Après voilà, moi je pense que la facecam, j'ai plus grand chose à faire jusqu'à que ma caméra elle craque, mais bon, ça pourrait arriver quand même un petit peu plus vite que je ne le pense. Donc ne me portez faut pas que je me porte la poisse, parce que ce serait impossible, parce qu'en ce moment la poisse elle me colle et j'ai pas envie, vraiment envie que ça continue. Donc on va aller dans la carrière pour aller poser la remorque, et après je sais pas, on fera peut-être un nouveau convoi ou pas, on verra, parce qu'il est quand même, ça fait quand même 20 minutes. Donc après on ira peut-être à Hangover dans la ville pour pouvoir finir l'épisode. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par exemple ce que vous pensez de ce camion, de cette camionnette, parce que c'est un camion, de cette utilitaire, c'est plus correct de dire utilitaire, parce que c'est pas un camion, c'est pas une camionnette. Bah si, c'est une, je sais pas comment appeler ça, c'est une grosse camionnette. Oh, oh, j'ai pas de dégâts. J'ai pas eu de dégâts, c'est bizarre ça. Bon, là j'ai eu un bug, j'ai l'impression. Un gros bug. Oh, excusez-moi, là il y a eu un petit souci. Je me suis pris le machin, j'ai pas eu de dégâts. J'ai pas eu l'impression d'avoir des dégâts. Donc voilà, après faut. Donc voilà, n'hésitez franchement pas à me dire si par exemple votre avis sur ce camion, cette camionnette, le SUV c'est pour les 4x4, donc ce qui fait que c'est pas un SUV, c'est pas un 4x4. Mais bon, je m'en fous, c'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche moi, c'est à ranger ma remorque. Et puis à vous dire, franchement, ce camion est très joli. Cet utilitaire est très joli. Il a vraiment sa place là-dedans. Mais bon, comment vous dire, c'est pas vrai, il a pas sa place là-dedans. C'est pas totalement vrai ce que je vous dis, parce qu'il a pas vraiment sa place dedans. Ah, ben, c'est bon. Hop, on est arrivé. Donc il y a les success team, mais je crois que vous les voyez pas. Donc voilà.
Mais c'est celui-là le bug. Regarde, quand on regarde, il y a le volant qui apparaît là en bas. Je sais pas si vous, si vous verrez. Donc voilà. Ah bon, j'ai une plaque polonaise. Alors qu'il est mis en France. Bon, je sais pas, je vais voir si. Non. Non, j'ai dit que je ferai autrement. On va aller à Eindhoven, en ville. Et on va aller dépenser les. Non, je vais... si, peut-être, on verra. Je vais peut-être essayer d'aller à Eindhoven pour acheter le garage si je ne l'ai pas déjà acheté. Après, on verra. On se quittera peut-être là-dessus. Ça sera vraiment une vidéo très courte pour cette fois. Même si je pourrais faire une vidéo un peu plus longue, mais bon, j'en vois pas l'intérêt. Peut-être si je ferais un Odyssée, faire des épisodes un peu plus longs, mais. Ah ouais, carrément, lui il va en haut. Oui, ah non, mais ouais, mais non, il y a les mêmes passages de rapport que sur. Les camions, alors qu'en fait il n'a pas. Bah oui, parce qu'en gros ce que je veux dire par là, c'est que il a des passages de rapport assez spéciales quand même, parce que tout à l'heure en gros il est passé de la première à la troisième, il n'est pas passé par la deuxième, mais par contre il a poussé la première à fond. C'est un peu spécial en fait. Allez, on va une Gover tout de suite. Hop. C'est vrai qu'il est quand même bien plus stable. Wow, l'autre il m'a défoncé. Bon bah tout à l'heure j'ai pas eu de dégâts, je pensais ne pas en avoir, mais finalement j'en ai eu. Tant pis pour moi. C'est un peu stupide, mais bon, faut qu'on roule. Donc c'est vrai qu'il a une sacrée patate. Je sais pas, je vais peut-être faire un petit truc comme ça, faire une espèce de petite course, on va dire. Faire un gros comté. Peut-être en multijoueur sur le réseau multijoueur pour voir combien met chaque camion. Hop. Ah ouais, mais non, je pourrais pas parce qu'il faut parce que je pourrais pas prendre les camions mode, mais déjà je pourrais déjà le faire en normal, sans un mode, sans les modes, pour voir en combien de temps le camion met pour passer de 0 à 100. Ce serait plutôt pas mal, on va dire, de voir ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Faut que je reste derrière lui au moins jusqu'à qu'il ait passé le virage. Après, je pourrais le doubler. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette camionnette, bien de cet utilitaire. Moi, je le trouve plus ou moins bien. Il y a une bonne patate, un bon retour. Un bon retour. Moi, je dis franchement, quand tu appuies sur l'accélérateur, tu sens bien les vitesses. Un peu comme si tu étais dans une Ferrari et puis tu effleures l'accélérateur. Bon, c'est sûr. Je me demande si il en existe des modes comme ça. Un mode Ferrari. Bon, faut que j'arrête d'abuser un peu, mais je me demande si ça existe. En gros, un mode où il y a des Ferrari et tout, ou Porsche, pour voir un peu pousser la bête. Et j'imagine une Porsche avec une remorque derrière. Non, ou une Ferrari. N'empêche que si on fait ça, ça doit exister Porsche, il doit y en avoir. Il doit y avoir quelques modèles, je crois, qui ont un attelage à l'arrière. Mais par exemple, les Porsche Cayenne. Cayman ou Cayenne, je sais plus trop quel modèle. Quel modèle avait à quoi. Mais il me semble que sur certains modèles de Cayman ou Cayenne, Cayenne, Porsche Cayenne, ouais. Il me semble qu'il y en a qui ont des attelages. Bon, je vais pas doubler conventionnellement parce qu'il commence à me casser les pieds. Mais je vais doubler quand même. Donc voilà, après franchement
ce camion, je trouve quand même qu'il a une bonne accélération, il a pas mal de patates. Franchement, je vous le conseille si vous voulez aller vite, faire des grandes choses. Franchement, si je devais le faire, faire un autre Odyssée avec ce camion, et en plus, il a un bon freinage quand même. Il a aussi ça qui freine très bien. Il freine très bien, comme vous voyez, parce que souvent je tire des dents, je fais, ça va passer, ça va pas passer et tout. Non, ça passe souvent et c'est très bien. Parce que la plupart des camions, bon bah il leur faut du temps pour freiner. Putain, ouf. Alors que pourtant, ils sont pas forcément très très bons en termes de freinage. Donc là c'est vrai qu'il est plus. Putain, mais l'autre il me déboîte devant là, enfoiré. Excusez-moi pour cette petite, de ce petit moment de vulgarité. C'est juste que là, c'est vrai que c'était pas fair play de me doubler devant. Donc voilà. Par contre, si vous cherchez vraiment la personnalisation dans ce mode, je ne vous le conseille pas du tout. Dans ce cas-là, bien sûr. Mais sinon, si vous cherchez juste un camion pour rouler vite et bien, il est bon. Il roule, il est tranquille et tout. Franchement, comme vous le voyez, je suis déjà à 100. Bon, on grille le feu, on s'en fout. Comme vous le voyez, on est déjà à 109 km/h. Et il freine vraiment très bien. Si vous voulez, je m'arrête, je pense, à la prochaine intersection. Voilà, hop. Il freine vraiment très bien. Il n'y a pas de souci avec le frein et tout. Voilà, en gros, il y a vraiment pas mal, pas que des bonnes choses venant de ce truc. Donc, on va aller. Je sais pas où. Donc, à se quitter là sur la route, parce que c'est vrai que je le fais pas souvent. Mais là, je vais le faire. Parce que c'est vrai que j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça fait. Donc, on va se quitter là sur ce joli Mercedes Sprinter. Je crois qu'il est disponible sur ETS2.it. C'est un site de mode. Tout simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va se quitter là. Moi, je vous souhaite bonne année, bonnes vacances, bon séjour, bon tout ce que vous faites en gros. Donc, je vous dis à plus. Ciao!